Le nouveau Peugeot i5008 arrive dans 5 jours. Peugeot continue son teasing du coup. Voyons. Voilà, ça nous met l'eau à la bouche. Bah, hâte de voir les caractéristiques, hein. Évidemment, ça va être un mammouth de plus sur les routes. Mais bon, ce sera un véhicule 7 places, donc c'est vrai que ça manque pour les familles nombreuses, les VE 7 places. Donc, ça servira à des gens qui ont une grande famille, quoi. C'est toujours mieux qu'un thermique, mais bon. Maintenant, j'attends de voir les caractéristiques. Ils mettront sûrement la grosse batterie de 98 kWh dedans. Est-ce qu'il y aura la petite batterie de 73 comme le i3008? Je suis pas sûr que ce soit très pertinent, on verra. Bon, réponse le 20 mars, apparemment, mercredi.